c'est la fête de l'école aujourd'hui. C'est, je crois, le plus beau jour de ma vie. En plus, j'ai trop de la chance, un truc de fou. Pendant 2 heures, je m'occupe du chamboule-tout. C'est une sorte de jeu hyper marrant. Un jeu qui plaît à pas mal d'enfants. En fait, avec une balle, faut faire tomber des boîtes. Bah, c'est moi qui ramasse les boîtes. C'est cool, on a de la chance avec le temps. Vu qu'en fait les stands sont dehors. Ok, il pleut et il y a beaucoup de vent. Mais du coup le soleil ne tape pas trop fort. Une sorte d'affreux gamin, prénommé Pierre, n'arrête pas de me viser avec son lance-pierre. Il paraît que c'est le fils de la directrice. D'ailleurs, ça la fait bien rire, madame la directrice. Mais moi, en fait, pour de vrai, je suis en train de péter un plomb. Je vais choper la dirlo et je vais lui couper la tête. Et je la mettrai sur un pic que je plaquerai devant l'école. Et j'écrirai avec son sang que l'école est finie. Deux papas sympas et probablement un peu musiciens ont préparé comme une sorte d'attraction. C'est un truc hyper drôle avec des chansons. Et ils ont donné à chaque enfant un tambourin. Alors c'est complètement désopilant, ils sont déguisés. Alors l'un en canard et l'autre je crois en Pikachu ou Tigrou. Ils chantent la même chanson toute la journée. Et les enfants tapent entre autres sur leur tambourin. Mais moi, en fait, pour de vrai, je suis en train de péter un plomb. Je vais leur péter leur guitare et je vais les égorger vivants. Et leurs têtes vont tomber et je m'en servirai comme d'un feutre pour écrire dans la cour que j'aime pas la musique. Une maman trop gentille et vraiment, vraiment très sympa a eu la bonne idée de faire une sorte de cocktail bio avec du pamplemousse et des cèpes. C'est comme une sorte de ponche quoi, et elle a mis ça dans un saladier. Alors les enfants, en servant, en ont mis partout sur leurs vêtements. Et au bout d'un moment, ils se sont tous mis à hurler en courant. Car à cause de son putain de ponche avec des cèpes, on a compté 623 piqûres de guêpes. Mais moi, en fait, pour de vrai, je suis en train de péter un plomb. Je vais passer chez Lidl et je vais choper 4 litres de rhum que je vais verser dans leur ponche. Et tous les ans,